Cher journal, aujourd'hui je vais à l'école. Et cette fois-ci, quand les autres me demanderont si je vais bien, je dirai que je vais bien, même si ce n'est pas du tout ce que je pense. C'est fini la petite fille qui a peur, qui a perdu ses parents. C'est terminé. Maintenant, je vais essayer d'être un peu normale. Oublier un peu tout ça, pour m'en sortir. Je n'aurais pas dû revenir chez moi. C'est risqué, mais je dois savoir qui elle est. Salut Tante Angela. Salut Elena. T'avais pas un projet à rendre ? Oui. Oui, j'ai rendez-vous à... Oh mince, je suis à la bourre. Oh, il faut vite que je me dépêche. Bon, je suis désolée, je dois y aller. C'est pas grave, tu sais, on peut se débrouiller tout seul. Allez, à plus. Et toi, Jérémy, ça va ? C'est pas ton problème. Et c'est là que ma grand-mère m'a dit que j'étais médium. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais... prédit l'élection de Barack Obama. Tu te rends compte ? Elena, reviens sur Terre. J'ai rien écouté. Oh, j'ai recommencé, je suis désolée. Je suis désolée, Bunny. Tu disais ? Que je suis médium maintenant. Ah, tiens. Alors, prédis-moi un truc sur moi. Alors, je dirais... Wow! Oh, t'es sûre que ça va? Oui, oui, t'inquiète pas. Je ne peux pas avoir peur de la voiture toute ma vie. De toute façon, je te prédis une année qui va tout déchirer. Et je te prédis que chagrin et douleur seront derrière toi. Tu ne seras plus qu'heureuse. Oh, il me déteste. Mais non, ça c'est le regard. Oh, tu me plais, mais je suis trop cool, alors je veux pas te le montrer. Alors je reste tranquille dans mon coin. Oh, salut Elena. Oh, ma pauvre Elena. Alors ça va, elle s'en sort? Caroline, je suis là. Oui. Et oui, ça va, je te remercie. C'est vrai ça? Mais oui, puisque je te le dis. Bon, allez, à plus tard. Sans commentaire. Bon, allez. Hey Vicky, j'étais sûre de te trouver avec le défoncé de service. T'as un problème ? Tu sais qui c'est ? Oh, mais bien sûr que je sais que c'est le frère d'Elena. Wow, t'as vu ce BG ? Je vois que son dos. Oui, ben, son dos, il est hyper craquant. Je suis désolée, mais votre dossier est incomplet. Veuillez vérifier encore une fois, je suis sûre qu'il est complet. Oui, en effet, il est complet. Cric. Oh, une seconde, Bonnie. Oh, pitié, sois beau et craquant. Ah. Oh, Jérémy, j'en étais sûre. Le premier jour d'école était déjà défoncé. Oh, c'est pas ton problème. Tu veux pas débrancher? Débrancher? Mais tu t'en rends compte? Oh, je t'ai fichu la paix tout l'été. Mais maintenant, c'est fini. Je ne vais pas te foutre la paix, ok? Maintenant, tu vas arrêter. Écoute, Jérémy, ce n'est pas toi. Arrête. C'est pas ton problème. T'es pas ma mère. Désolée. C'est les toilettes pour hommes ? Oui, j'étais... c'est une longue histoire. Merci.
Cher journal, j'ai dû dire au moins 27 fois aujourd'hui que ça allait. À dire que je ne pensais pas du tout. Et en plus, quand les autres vous demandent si ça va, ils s'en fichent complètement de votre réponse. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ok, salut le corbeau. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Un chouïa flippant tes réponses. Ça va? Mais je rêve, mais... Tu me suivais? Je t'ai vu tomber. Et comme par hasard, tu rôdes dans le cimetière. J'ai de la famille ici. Oh, je suis désolée. J'ai été stupide là. Oh, mais c'est que, si tu veux, il y avait un corbeau là-bas. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à flipper et j'ai commencé à courir et... Et enfin voilà, tu sais. Je m'appelle Elena. Et moi je m'appelle Stéphane. Oui, je sais. Enfin, on a cours d'histoire ensemble. Et langue. Et culture. Et littérature. Oui, c'est vrai. Elle est jolie ta bague. Oh, ma bague. C'est un bijou de famille. Curieux. Non, il y a des bijoux auxquels on tient. Tu t'es fait mal en tombant? Je sais pas, attends, je vais voir. Wow, mon dieu, c'est pas joli à voir. Tu devrais y aller. Pour désinfecter. Mais non, mais c'est rien. Oh. Bizarre. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas réussi à me contrôler. Tout ce que j'avais gardé enfoui est remonté à la surface. Je suis tout simplement incapable de lui résister. Eh, salut Vicky. Jérémy, t'es chaud, mais là je bosse. Alors en été, t'es tranquille et puis là, à la rentrée, tu te gênes pas. Écoute Jérémy, j'ai vraiment apprécié tous tes médocs, mais là... De là à me suivre comme un petit chien. Je te rappelle que c'était il n'y a pas si longtemps. Bon, écoute, Jérémy, tu veux parler moins fort. J'aimerais pas que tout le monde sache qu'on a fait ça. Bon, maintenant, t'es gentille, mais tu me laisses tranquille. Alors, son nom, c'est Stéphane Salvatore. Il vit dans un manoir avec son oncle. Il était parvenu depuis son enfance. Il est gémeaux et sa couleur préférée, c'est le bleu. Et t'as appris tout ça en une journée? Non mais attends, premier cours avec lui, j'avais les données. Mariage prévu un jour. Bon, je vais au bar, Bonnie m'attend là-bas. Ok, mais rentre pas trop tard, demain il y a cours. Ok, pas de problème, bien dit. Ouah. Salut. Je voulais m'excuser de m'être volatilisée comme ça. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai compris, t'aimes pas trop le sang. Non. J'ai pensé que tu tenais à récupérer ça. Oh, merci. Waouh. Merci. Et t'inquiète pas, je l'ai pas lu. J'aimerais pas non plus qu'on lise mon journal. Ah, parce que tu tiens un journal aussi? Oui, parce que si j'écris pas, j'oublie. C'est important de se souvenir. Ouais. Bon, je vais juste poser ça. Je t'attends là. Mais tu t'apprêtes à sortir. Oui, je vais rejoindre des amis au bar. Si tu veux, tu peux venir. Ouais. Ce serait sympa. Bon alors, est-ce qu'elle a un petit copain? Wow, je joue pas à ce jeu-là, ok? Tu l'appelles et tu vois avec elle. Oh, mais tu sais, ça lui fait mal, la même anaise d'appeler. Je te rappelle que c'est elle qui m'a envoyé balader. Je m'en fiche, tu te débrouilles.
plutôt rapide. Je suis Matt, ravie de te connaître. Et moi, c'est Stephen. Salut. Salut. Ah, alors tu viens de Mystic Falls? Oui, mais je suis partie très jeune. Et tes parents? Ils sont morts. Oh, je suis désolée. Non, c'est rien. Mais je vis avec mon oncle. Ouais. Et demain, il y a une petite fête. Enfin, c'est genre un peu fête du lycée, mais tu peux venir si tu veux. Tu viens, toi, Elena? Ouais. Ouais, ok, alors. Stephen, tu m'avais promis. Deux humains tués par un animal. Ben, il y a quoi? Ce genre de morsure, on pense que c'est un animal. Mais je sais très bien que c'est toi, Stephen. Tu m'avais promis, oncle Stephen, tu m'avais promis de te contrôler. Mais ce n'est pas moi. Bien sûr. Écoute, j'ignore pourquoi t'es revenu. Mais c'était une très mauvaise idée de revenir. Ouais, bon, ok, c'est vrai, il est vraiment craquant. Bon, ok, c'est vrai, je suis folle de lui, mais bon, voilà. Salut! Salut. Tu veux venir danser? Non. T'as bu? Oui, un peu. Bon, tu viens? Écoute, Caroline, toi et moi, ça ne se passera pas. Tu crois qu'il est où? Je le vois pas. Je sais pas. À toi de me dire où il est, avec tes pouvoirs de voyant. Bon, allez. Il nous faut la boule. Voilà, comme ça. Ça va être une parfaite boule. Oh. Oh. Ça va, Bunny? J'ai vu un corbeau. Du brouillard. Quoi? Non, là c'est pas mis dans le voyant. Désolée, je crois que je suis pétée. Je vais aller faire un tour. Ok. J'ai recommencé. Ouais. Désolée. C'est pas grave. T'as l'air un peu préoccupée. Non, mais c'est Bonnie qui. Enfin, ouais. Voilà. Enfin, l'important c'est que tu sois là. Tu sais que tout le monde parle de toi? Ah oui? Oui, le mystérieux nouveau. Mais toi aussi t'es mystérieuse. On est deux âmes. Deux âmes tristes. Moi je suis mystérieuse. Ben je sais pas, t'étais dans un cimetière quand même. Oui bon c'est vrai mais... Bon, eh bien, si tu veux savoir, mais ce n'est pas une histoire qu'on raconte pendant les fêtes. Tu sais, j'ai jamais été douée pour parler de tout et de rien. Bon, ben c'était il y a 4 mois. Mes parents roulaient en voiture et j'étais à l'arrière. Et tout d'un coup, ils sont tombés d'un pont dans le lac. Et bizarrement, moi j'ai survécu, mais pas eux. Ah. Voilà ce qui s'est passé. Tu as surmonté cette douleur. Taï, arrête. J'ai dit arrête. Laisse-la tranquille. Wow.
Vicky Donovan a dit non. Tu sais, j'avais pas besoin de toi. Que si, oui. Écoute, moi j'ai bu, mais c'est pas une raison pour... Écoute, toi t'es pire de toute façon. Toi tu vas apprendre à me connaître et après tu veux me laisser tomber. C'est ce que tu penses de moi? Oui. Elle est cool, Bonnie. C'est ma meilleure amie. Et Matt, il a l'air de pas arrêter de détacher son regard de nous. Elle est cool, Bonnie. C'est ma meilleure amie. Et Matt, il arrête pas de nous regarder. C'est mon copain d'enfance. Enfin, c'était... Voilà. Et puis un jour, on s'est mis à sortir ensemble pour voir s'il y avait plus que de l'amitié et pour finir. Et mes parents sont morts. Ensuite, tout a changé. Mais peu importe. Entre Matt et moi, c'était... C'était pas... Un vrai amour. Non. Et ça va? T'as les yeux qui... Oh, ouais, je sais. C'est énorme. Je vais nous prendre un verre. Je reviens. Jérémy, c'est toi? Tu cherches quelqu'un? Salut, Matt. Je croyais que t'avais besoin de faire le point. T'as besoin d'être seule. Et là, t'es plus si seule. Écoute, Matt, c'est que... Je sais. T'inquiète. Mais je voulais juste te dire que je crois encore en nous deux. Oh, c'est pas vrai, Jérémy. C'est ton frère, celui qui a vu? Oui. Bon, faut que je te laisse. Il faut que j'aille régler le problème. Jérémy! Quoi? Waouh! C'est Vicky! Quoi? Elle est pleine de sang! Appelez un docteur! Oh non, Vicky! Oh non, ma sœur! Oh non! Mais qu'est-ce qui est arrivé? On l'a retrouvée comme ça. Appelez un docteur! Elle perd beaucoup de sang! Elle a été mordue par la nuque! Et tu fais quoi? Il y a encore une attaque. Et cette fois-ci, c'était pas moi. Quoi? Démon. Salut, petit frère. Ah, dis donc, t'as changé de coupe de cheveux? Elle est plus jolie qu'avant. Je haïssais ton ancienne coupe. Ça fait 15 ans. Ouais, justement. C'était horrible. Les années 90. Oh. Stéphane, un petit conseil, ne jamais succomber aux tendances. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Cette question se résume en un mot. Elena. Tu sais, elle m'a coupé le souffle, Elena. Le parfait sosie de Catherine. Elle n'est pas Catherine. Oh bah j'espère bien, on sait tous comment ça s'est fini. Arrête. Et c'est quand la dernière fois que tu t'es pas sucé un écureuil? Arrête.
Avoue, tu as soif, hein? Tu as soif. Allez, viens, on va se taper quelques meufs. J'ai trouvé un coin tranquille pour s'en taper quelques-unes. On pourrait aller à la chasse, hein? On pourrait attaquer Elena. Hein, rappelle-toi le goût du sang frais. J'ai dit arrête. Alors là, tu m'as bluffé. Je te donne un 6 sur 10. Ah oui, bien sûr, pour toi, tout ça n'est qu'un petit jeu. Arrêtons tout ça. Je te promets une éternité de malheur. Alors un conseil, ne touche pas à Elena. Mais où est ta chevalière? Quoi? Avec l'aube qui va te se lever, pouf, partez en poussière. Bon, ok, je la rends. Tiens. N'essaye pas d'être plus fort que moi, tu as déjà perdu. Et toi, ça va, Jérémy? Ça va. Tu sais que les mecs en uniforme, là, c'est la police. Ok, j'arrête de boire. Écoute, Jérémy, tu sais, un jour, les gens, ils s'en ficheront. Ils s'en foutront de toi, tu vois. Ils s'en foutront de ton état. Ils ont déjà leur propre vie à gérer. Ils vont pas encore gérer la tienne et voir si ça va ou pas. Tu sais, écoute, papa et maman n'auraient jamais voulu te voir comme ça. S'il te plaît, arrête. Ça y est, t'es saoule. Oh, j'arrive pas à y croire qu'il m'a remballée. Oh. J'ai beau tout faire, les garçons ne veulent jamais de moi. Je suis pas assez belle. Je dis tout le temps des conneries. Lena dit toujours ce qu'il faut, quand il faut. C'est ce qu'on attend d'elle. Oh. J'ai beau tout faire, tout donner. Les garçons, ils choisissent toujours Elena. Et en plus, il ne voudra jamais de moi. Il n'a que Dieu que pour Elena. Oh. C'est pas une compétition, Caroline. Si, Santine n'est une. Matt. Chut, ne dis rien, on verra demain. Je suis sûre que c'était un vampire. Cher journal, comment j'ai pu me tromper à ce point? Et dire que je croyais m'en sortir avec des « Salut, ça va ?» en faisant semblant d'aller bien. J'avais tout prévu. Je voulais créer un nouveau moi débarrassé de ce passé. De cette douleur, devenir quelqu'un de vivant. Mais ce n'est pas facile, les vieilles blessures peuvent se rouvrir. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'attendre au meilleur. Nous en avons tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Salut. Salut. Je voulais savoir si ça allait. Toute la journée, on m'a demandé si ça allait. Et t'as répondu quoi? Que ça allait. Sans le penser. Écoute, redemande-moi demain. Bon, tu veux pas entrer, qu'on puisse en parler? Volontiers.